Bonjour à tous, dans ce podcast je vais faire un décodage biologique. Donc j'ai décidé de faire des décodages biologiques sur la chaîne YouTube. Et je rappelle que je ne suis pas un professionnel de santé et qu'il est toujours bon d'aller en consulter un. Un décodage efficace se fait de manière interactive avec une personne expérimentée. Et j'ai évidemment quelqu'un à vous recommander. A noter cependant que si des informations résonnent avec vous dans ce que je dis, que ça vous fait monter de l'émotion ou que même ça mènerait à une disparition de votre symptôme, ça veut dire que ce podcast aura été efficace pour vous. Et ça aura même été nécessaire et suffisant. Ce que je dis simplement, c'est que si vous avez des résultats, tant mieux, ça a résonné en vous. Si vous n'en avez pas, consultez un professionnel qui saura vous accompagner de manière spécifique. Parce qu'évidemment, comme toujours, le premier travail à faire est de comprendre la cause psychosomatique qui engendre un symptôme. Dans tous les cas, ce n'est qu'un symptôme exprimé par le corps pour vous donner des indices sur quelque chose de profond ancré en vous. Et libérer ça de manière émotionnelle permettra au corps de réexprimer son équilibre et donc de guérir. Alors aujourd'hui, on va faire le décodage de la mycose. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la mycose, c'est le résultat d'une prolifération anormale de champignons microscopiques sur la peau ou les muqueuses. Et le plus souvent, on va la retrouver au niveau des pieds, des ongles ou du vagin chez les femmes, et parfois au niveau des intestins. Alors, comme d'habitude, la première question à se poser est quelle est la cause possible En décodage et de façon générale, les mycoses expriment un sentiment d'abandon ou un chagrin en lien avec une séparation. Le manque d'amour ou de manifestation de celui-ci est donc généralement ressenti. Et il peut s'agir autant d'une personne que d'un animal. La deuxième question que vous pouvez toujours vous poser en décodage, c'est à quel endroit est-ce que c'est exactement Et ça, ça permettra de cibler davantage la symbolique. Pour faire un parallèle, dans la nature, les champignons se développent uniquement sur la matière morte et la transforment. Symboliquement, la mycose renvoie donc le plus souvent à un deuil, réel ou symbolique, qui n'a pas été fait. Par exemple, ne pas réussir à faire le deuil de ses illusions ou ne pas réussir à faire le deuil réel ou symbolique de quelqu'un décédé ou en amour, par exemple. Ça peut être d'être déçu de la réalité parce qu'elle ne correspond pas à vos attentes. Ça peut être le fait d'avoir du mal à s'adapter à un changement. Le deuil de ce que vous quittez, par exemple. Ça peut être de façon inconsciente de se sentir enfermé dans des vieux schémas, des schémas familiaux, par exemple, qui ne sont plus en phase avec vous. Là, il va falloir faire le deuil de ces schémas. Ça peut être aussi le fait de ressentir de l'irritation par rapport à quelque chose, mais d'avoir peur de prendre les décisions nécessaires pour s'en affranchir et changer les choses. Et du coup, dans ces cas, la mycose apparaît sous forme de démangeaisons. C'est comme une peau croûtée et fendue qui indique que votre mental est irrité ou contrarié, que vous vous sentez limité ou incapable d'avancer de la façon que vous voudriez, et par rapport à ce qui vous attend dans l'avenir. Vous avez par exemple de la difficulté à vous accepter tel que vous êtes, et vous voulez avoir l'acceptation et l'adoration des gens qui vous entourent, tout comme l'athlète, dont on parle souvent dans le cas de la mycose, qui lui a réussi et qui est adoré. Et ça, ça va produire un stress et une douleur interne. D'une manière générale, l'irritation au niveau des orteils est reliée aux détails et aux directions de la vie future, à l'abstrait et au concept énergétique. Pour commencer un processus de guérison, vous pouvez vous visualiser sur une route où il est agréable d'avancer et où vous vous sentez pleinement confiant. Ça vous aidera à laisser aller les peurs et vous apportera plus d'harmonie dans votre vie. En tout cas, si vous souffrez régulièrement de mycose, peu importe la localisation, il va être important de venir agir pour accepter ce qui est, pour se détacher du passé et de ce qui n'est plus. Si vous avez vécu un deuil, que ce soit récemment ou dans un passé plus lointain, et même dans l'enfance, et même parfois pendant votre vie intra-utérine, que vous vous en souveniez ou pas, et si ça concerne quelqu'un ou quelque chose qui vous tenait à cœur, comme une personne, un animal ou un lieu de vie, alors il va être important de venir s'assurer que le deuil a été fait via des démarches personnelles ou des thérapies. Si vous sentez clairement que vous n'avez pas fait le deuil de quelqu'un ou quelque chose, une méthode efficace pour avancer et libérer les choses est le fait d'écrire ce que vous ressentez et sans vous censurer. Et si c'est en lien avec une personne, vous pouvez écrire tout ce que vous auriez aimé dire à cette personne, par exemple, et que vous n'avez pas pu dire. C'est un exercice simple, mais il est vraiment puissant et il va vous aider à faire le deuil. Et dans ces cas-là, toutes les démarches de nettoyage et de libération émotionnelle sont les bienvenues et seront bénéfiques. Après, à vous de vous tourner vers des approches qui vous conviennent. En description de la vidéo, je vous mets la personne que je recommande en soins énergétiques, puisqu'elle fait aussi du décodage biologique et qu'elle est d'une grande douceur et bienveillance. Et rappelez-vous que votre inconscient enregistre tout, et donc il est possible que vous n'ayez pas conscience d'un événement du passé qui n'ait pas été entièrement digéré. Et cet événement peut se retrouver réactivé aujourd'hui à la suite d'un événement un peu similaire du présent. Alors, quelques cas spécifiques pour finir, voir si ça résonne avec vous. Donc, le décodage de la mycose au niveau du vagin. Ça va être des difficultés à se remettre d'un avortement, d'une fausse couche, d'un accouchement d'un bébé mort-né. Et ça peut aussi faire référence à des mémoires héritées des ancêtres. Je sais qu'à l'époque, beaucoup de femmes s'auto-avortaient. Et je sais aussi qu'il y a des restes de ces mémoires dans les personnes qui sont incarnées en ce moment. Ça peut être de ne pas avoir fait le deuil d'une relation sentimentale terminée. Ça peut être de ne pas respecter ses envies dans ses relations sexuelles. C'est le deuil de ses attentes et envies sentimentales sexuelles non faites, par exemple. Ça peut être des émotions non exprimées en lien avec une frustration dans une relation amoureuse, dans ses relations intimes et sexuelles. Ça peut être un moyen de se protéger d'un contact trop rapproché avec quelqu'un suite à de mauvaises expériences passées et non exprimées, où on s'est senti rabaissé, maltraité ou non respecté. Ça peut être en lien avec des mémoires d'agressions sexuelles, que vous avez vécues vous-même ou qui sont héritées. Là aussi, il faudra creuser dans votre passé. Et enfin, ça peut être le ressenti de culpabilité, de peur ou de honte ou de colère, en lien avec son partenaire ou en lien avec la sexualité. Alors maintenant, la mycose au niveau des pieds et des orteils. Là, ça va être plus de, par exemple, ne pas accepter le départ de quelqu'un, un enfant qui quitte le domicile familial, un éloignement géographique ou affectif d'un ami, un décès, etc. Ça va être le fait de ne pas faire le deuil de sa relation sentimentale, d'avoir du mal à aller de l'avant et à tourner la page. Ça peut être le fait d'être empêtré dans une situation pourrie, qui nous empêche d'avancer. Ça peut être le fait de se sentir limité dans sa capacité à avancer dans la vie. En fait, les orteils sont sur les pieds, les pieds c'est ce qui nous fait avancer. Donc, des mycoses aux pieds, c'est quelque chose qui n'est pas accepté et qui nous empêche d'avancer. Ça peut être d'avoir du mal à se faire confiance et à prendre son indépendance, mais en même temps de se sentir aussi enfermé et limité dans cette situation. Ça peut être aussi vu comme avoir du mal à tracer sa propre route, à s'affranchir des attentes ou des fidélités familiales conscientes ou inconscientes. Il y a beaucoup de gens qui s'empêchent beaucoup de choses par rapport à ce que pourrait en dire la famille. Il faut se libérer de ça. Alors ensuite la mycose au niveau des ongles. Là ça va être la difficulté à faire le deuil d'une situation confortable dans laquelle on se sentait en sécurité. Ça peut être un sentiment d'abandon, de vulnérabilité. Ça peut être une difficulté à faire le deuil, réel ou symbolique, d'une personne protectrice pour nous, sur qui on pouvait s'appuyer. Et ça peut être aussi un sentiment d'insécurité dans une situation spécifique. Et enfin, la mycose au niveau intestinal, qu'on appelle aussi la candidose. Là, ça va être tout ce qui est plutôt interne. Donc, ça va être par exemple ressasser le passé, ressasser des émotions, avoir du mal à digérer des situations du passé et à tourner la page, nourrir de la rancune, de la frustration, de la colère pour quelque chose du passé. Et globalement, tout ce qui est difficile à faire le deuil et à accepter dans une situation passée et qu'on a du mal à digérer. Donc, voilà pour un aperçu de la mycose. Si quelque chose a résonné en vous, foncez. Vous avez matière à avancer, et si rien n'a résonné en vous, contactez un professionnel qui pourra travailler spécifiquement avec vous en interactif et en vous posant des questions. Et voire même en faisant un soin énergétique par exemple. Et je vous retrouve sur un prochain décodage.